Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial. Dernière minute. Moël Combi convoque Samuel Eto'o. Le vendredi 23 août 2024 est une date qui restera dans les mémoires, non seulement pour les acteurs du sport camerounais, mais aussi pour tous ceux qui suivent de près l'actualité sportive et politique du pays. Ce jour-là, le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, sous la houlette du professeur Narcisse Moël Combi, se prépare à accueillir une réunion cruciale dans la salle des conférences du ministère. À première vue, il s'agit d'une réunion préparatoire pour organiser deux matchs des Lions indomptables, mais la présence annoncée de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, donne à cette rencontre un poids tout particulier. Dès l'annonce de la réunion, le suspense est palpable. Tout le monde sait que lorsque Samuel Eto'o est impliqué, l'ordinaire peut rapidement devenir extraordinaire. Ce vendredi, l'ancien attaquant des Lions indomptables, désormais président de la FECAFOOT, n'est pas simplement un invité, mais un acteur clé de cette rencontre. Et lorsqu'on parle de Samuel Eto'o, on sait que chaque mouvement, chaque mot, peut provoquer des vagues. Il faut dire que la relation entre le professeur Narcisse Moël Combi et Samuel Eto'o n'a jamais été des plus fluides. Depuis que ce dernier a pris les rênes de la FECAFOOT, des tensions ont souvent éclaté entre le ministère et la fédération, notamment sur des questions de gestion et de prise de décision. Dans un tel contexte, la réunion du 23 août n'est pas simplement une rencontre technique, c'est un véritable test de leadership et de cohésion. La tâche principale de cette réunion est de préparer les Lions indomptables pour leurs deux prochains affrontements contre la Namibie et le Zimbabwe, prévus les 7 et 10 septembre 2024, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Maroc 2025. Ces matchs, loin d'être de simples formalités, sont d'une importance capitale. La performance de l'équipe nationale lors de ces rencontres pourrait bien déterminer son avenir dans la compétition continentale la plus prestigieuse. Mais derrière cette mission se cache un enjeu beaucoup plus profond. La salle des conférences du ministère des Sports est un lieu symbolique. C'est ici que se prennent les décisions qui façonnent le sport camerounais. Ce vendredi, cette salle sera le théâtre d'un affrontement subtil mais déterminant entre deux hommes influents. Le ministre Moël Combi, représentant l'autorité étatique, et Samuel Eto'o, incarnation de la passion et de la fierté footballistique nationale. Leurs échanges seront scrutés de près, et chaque mot, chaque geste, pourra avoir des répercussions sur l'avenir du football camerounais. Alors que la réunion approche, les spéculations vont bon train. Les experts et les observateurs s'interrogent, Samuel Eto'o, réputé pour son franc-parler et son charisme, saura-t-il s'imposer dans ce cadre institutionnel souvent rigide? Le ministre Moël Combi, de son côté, réussira-t-il à concilier les exigences du terrain avec les impératifs politiques et administratifs? Ce qui est certain, c'est que cette réunion ne sera pas de tout repos. L'un des principaux points à l'ordre du jour est l'organisation matérielle du match Cameroun-Namibie du 7 septembre. Mais au-delà de l'aspect logistique, c'est toute la préparation de l'équipe nationale qui sera passée au crible. L'objectif est clair, garantir non seulement une participation, mais surtout une performance honorable des Lions indomptables lors de ces deux rencontres cruciales. Le Cameroun, qui a toujours été une grande nation de football, ne peut se permettre de trébucher sur la route de la CAN 2025. Chaque détail compte, et chaque erreur pourrait coûter cher. En parallèle, il est aussi question de répondre aux très hautes directives du président de la République, Son Excellence Paul Biya. Ces directives, bien que formulées de manière vague, pèsent lourd sur les épaules du ministre Moël Combi. Il s'agit pour lui de montrer que le sport camerounais, et en particulier le football, est entre de bonnes mains, capable de relever les défis et de ramener des victoires. Mais pour cela, il faudra composer avec les ambitions de Samuel Eto'o, un homme qui ne se contente jamais de peu. En coulisses, certains murmurent que cette réunion pourrait être le théâtre d'une confrontation plus directe entre les deux hommes.
Depuis son élection à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a montré qu'il n'était pas là pour jouer les seconds rôles. Sa vision pour le football camerounais est ambitieuse, parfois en décalage avec les méthodes plus traditionnelles du ministère. Alors, cette réunion sera-t-elle l'occasion d'un rapprochement, ou marquera-t-elle un nouveau point de tension? Le public camerounais, quant à lui, retient son souffle. Les supporters des Lions indomptables savent que ces deux matchs à venir ne sont pas simplement des matchs de plus. Ils représentent l'espoir d'un renouveau, d'un retour au sommet pour une équipe qui a connu des hauts et des bas ces dernières années. Les attentes sont énormes, et la pression sur les épaules du staff technique est palpable. Mais au-delà des résultats sportifs, cette réunion pourrait aussi révéler beaucoup sur l'état des relations entre les différentes instances du football camerounais. L'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES, la FECAFOOT, et le staff technique devront travailler main dans la main pour garantir le succès des Lions. Pourtant, les frictions entre ces entités ne sont un secret pour personne. Le défi sera de taille, dépasser les divergences pour se concentrer sur l'essentiel, à savoir la victoire. Et puis, il y a les supporters, cette immense communauté qui vibre au rythme des performances des Lions indomptables. Pour eux, chaque match est une affaire personnelle, chaque victoire une fierté, chaque défaite un coup dur. Ils savent que cette réunion pourrait bien décider de la suite des événements. Alors, ils suivront avec attention les décisions prises, espérant que leurs héros nationaux seront en mesure de rugir de nouveau sur la scène africaine. Au fil des heures, les rumeurs circulent. Les spéculations sur ce qui se passe derrière les portes closes de la salle des conférences du ministère des Sports se multiplient. Certains parlent de discussions tendues, d'autres de compromis en vue. Mais une chose est sûre, la réunion de ce vendredi ne laisse personne indifférent. Pendant ce temps, Samuel Eto'o reste fidèle à lui-même. Charismatique, sûr de lui, il sait que tous les regards sont tournés vers lui. Pour beaucoup, il est l'incarnation du renouveau du football camerounais. Mais cette réunion pourrait bien être un test décisif pour lui. Saura-t-il convaincre ses interlocuteurs de la justesse de sa vision? Réussira-t-il à faire passer ses idées face à un ministre déterminé à ne rien laisser au hasard? Le professeur Narcisse Mouel Kombi, quant à lui, sait qu'il joue gros. Sa réputation, son autorité, tout est en jeu. S'il réussit à orchestrer cette réunion de manière efficace, à apaiser les tensions et à garantir une préparation optimale des Lions indomptables, il pourra se targuer d'avoir accompli sa mission. Mais si les choses tournent mal, les critiques ne tarderont pas à fuser. Alors, comment se terminera cette journée cruciale pour le football camerounais? Les différentes parties prenantes parviendront-elles à s'entendre pour le bien de l'équipe nationale? Les décisions qui seront prises auront-elles l'effet escompté sur les performances des Lions indomptables? Le suspense reste entier. Chers auditeurs, pour ne rien manquer de cette saga passionnante, pour être au courant des dernières nouvelles et des coulisses de cette réunion déterminante, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Vous serez ainsi informé en temps réel des développements majeurs qui façonneront l'avenir du football camerounais. Restez connectés, car l'histoire est loin d'être terminée, et les prochains jours pourraient bien nous réserver encore de nombreuses surprises. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.